La programmation, c'est un peu, enfin pour moi, j'ai un peu de difficulté à. Si j'ai pas, non, c'est un peu un métier de passionné. Je sais que la programmation, il faut quand même pas mal d'exigences parce que et ça me dépasse un peu, mais normalement, il faut avoir beaucoup de connaissances. Parce que surtout quand on prétend faire un festival comme à Rock, normalement il faut acquérir beaucoup de connaissances que je n'aurai jamais, mais pour faire ce métier-là. Parce que normalement on doit s'intéresser à la musique, mais lorsqu'on sait qu'on a fait venir Björk, Miles Davis, Public Enemy ou John Cale de je sais plus comment s'appelle le groupe new-yorkais, en fait on s'aperçoit que bon bah voilà, si on fait venir Miles Davis, il faut être dans les créneaux du jazz, si on fait venir John Cale, c'est plutôt dans l'avant-gardiste pop, si on fait venir M, bon bah là il faut quand même être dans un terrain miné parce que c'est un terrain proche de la variété. Si on veut venir faire Royal Deluxe, ben il faut apprendre comment dire le montage financier d'un spectacle qui va vous conduire à dépenser beaucoup d'argent et d'énergie pour un mode économique qui échappe à tout le monde, puisque lorsque le Royal Deluxe est arrivé, me semble-t-il, le spectacle de rue à ce niveau-là n'existait pas en France, et il faut quand même se dire, bah, c'est pas grave, on va en faire quand même. Les expositions, Carole en parlait tout à l'heure, puisque le camion arrive cette nuit ou ce soir, il est en train d'arriver. En fait, ben, c'est pareil, c'est des montages, il faut connaître le secteur des expositions, etc. Donc voilà, enfin bref, comment dire, le métier de programmateur, normalement, enfin, il faut être curieux, il faut s'intéresser à beaucoup de choses, il faut aller voir, en ce qui concerne la rock. Moi, ce que j'aimais, c'est quand j'avais le pied aussi professionnellement dans plusieurs champs. Et c'est là où ça m'a échappé ces dernières années, parce que c'est prenant et il fallait que je sois beaucoup à Saint-Brieuc. Mais quand, par exemple, dans ma carrière professionnelle, j'avais toujours deux métiers. C'est-à-dire qu'à Rock, en général, je le faisais comme ça en loose day, pas vraiment rémunéré. Mais j'avais, par contre, je travaillais comme administrateur de la scène nationale de la Passerelle. Donc ça me permettait d'avoir vraiment une implication dans le spectacle, et notamment dans le théâtre et la danse, et d'avoir mes petits à côté musicaux qui me permettaient de programmer du rock. Après, quand j'ai travaillé pour la ville de Paris, c'est pareil, j'avais accès à tous les spectacles de Paris le soir. J'avais qu'à dire à Rock, et puis j'allais voir un concert ou un spectacle gratuitement, etc. Donc tout ça me donnait des antennes pour accéder à comment dire à bon, à ce qu'il fallait pour programmer quoi. Après, programmer, c'est aussi pour moi c'est important enfin en ce qui concerne le festival, vous avez vu, il y a toujours une grande scène avec des affiches, des affiches d'artistes de grande renommée, et c'est là où je trouve que le rapport à la programmation est intéressant dans ma conception en tout cas. C'est moi, j'hésite pas à écouter les gens et à regarder par exemple les chiffres de vente de disques, par exemple, ou de passages radio, parce que ça m'importe de savoir qu'est-ce que c'est que ce Nekfeu là que tout le monde écoute, ou qu'est-ce que c'est que ce nouveau groupe, ou enfin voilà, c'est important de suivre. Voilà, il faut taper dans un peu partout, quoi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut battre la semelle aussi. C'est-à-dire que pour moi, les plus grands programmateurs en France, enfin j'ai notamment, enfin j'ai des amis qui programment plusieurs festivals en même temps. Bon bah forcément, je pense à Christian Alex par exemple qui programme les Eurockéennes de Belfort, qui programme le festival là, début juin à Nîmes, This Is Not a Love Song, qui collabore aussi à la programmation du Cabaret Vert. Bon bah voilà, c'est quand même trois grosses machines. C'est lui qui fait quasiment l'intégralité de la programmation. Bah, il est partout, hein. Il passe pas beaucoup de week-ends chez lui. Et il y en a beaucoup comme ça, quoi. Il faut sortir, il faut aller voir des spectacles, il faudrait être sur un rock, il faudrait être aussi bien au Festival d'Avignon que dans un festival d'art numérique, je sais pas moi, à Nancy Jazz Pulsation ou au Jazz Sous les Pommiers. Ou... Voilà. Donc après, comment dire, j'assume la direction artistique du festival, mais c'est pas pour autant que je n'écoute pas les autres. Et Carole, par exemple, a vu un merveilleux spectacle à Noël. C'est le spectacle de Kaderatou qu'on va présenter sur la grande scène de la Passerelle pendant 2 soirs. Le spectacle The Roots que vous avez vu à l'affiche. Bon, ben voilà, Carole revient de vacances et me dit, voilà, le spectacle est génial, pourquoi on ne le programmait pas? Puis voilà, il faut tout de suite. Et de la même façon, Aurélie, bon, ben, je vois bien qu'elle a.
Elle a une acuité, elle écoute beaucoup de musique, elle va avoir beaucoup de groupes, donc j'imagine que pour les années à venir, la programmation du festival sera aussi teintée par les goûts et les humeurs d'Aurélie Denis, parce que bon, bah voilà, elle a le droit de s'exprimer, et voilà, c'est un peu le. Donc être programmateur, à mon avis, c'est voilà, il faut être ouvert, etc. Par contre, il faut faire ce qu'on. Il faut décider, donc faut y aller. Là, les expos, il y en a beaucoup cette année, c'est un peu casse-pied, il faut dire. Il y en a un peu beaucoup, ça aurait pu coûter très cher si Carole n'avait pas trouvé les subterfuges pour que ça coûte pas trop trop cher quand même. En plus, tant qu'à faire les expositions, on a eu la bonne idée, elles vont être ouvertes pendant 3 semaines. Donc tout ça, c'est en matière d'accueil, de sécurité, de machin, de trucs, c'est lourd. Mais tant pis, il faut le faire et voilà, il faut y aller, quoi. Voilà. Ah, plein, plein, ouais, plein, plein, ouais, plein. J'ai relevé cette année le, comment dire, vous savez, sur mes Outlook là, en fait, il y a les rubriques, etc. Et j'ai une rubrique qui s'appelle agence, d'accord? Et donc, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je relève les adresses e-mail de ces agences avec lesquelles je suis en relation pour la musique. Hein. Je ne parle pas du théâtre, de la danse, etc. Il y en avait 500. Donc, ça veut dire que je suis en contact là, j'ai été en contact entre novembre et février pour programmer simplement une quarantaine de spectacles musicaux avec ces 500 agences. Et sur les 500, on en connaît tous professionnellement déjà certainement une centaine, ça va très vite. Hein. C'est un peu comme, je sais pas moi, le directeur de la Coperl, de Lamballe, il doit connaître je sais pas combien d'exploitants agricoles. Ben, nous, c'est pareil. Hein. C'est d'autant plus quand ça a fleuri avec Internet, etc. Et bon, bah, c'est vrai qu'on voit bien, il y a plus de festivals, il y a quand même plus de culture, même si les moyens des collectivités ou des subventions ont tendance à baisser, il y a plus d'activités culturelles que jamais. Et bah, tout ça, ça donne plus de relations avec des tourneurs, des trucs, on est approché en permanence, etc. À l'heure, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, Oriana qui m'appelait en me disant, tiens, tu viens voir, je sais plus quoi qui passe à Rennes ce soir. Moi, j'ai dit, ben non, je peux pas, tac, tac, tac. C'est en permanence, hein, c'est normal. D'ailleurs. Mais c'est aussi des gens de qualité, donc il faut les écouter. Voilà. Quel est le, enfin, ouais, c'est l'information, elle vient, si elle vient de vous, parce que c'est vous qui devez décider de programmer ceci ou cela, mais l'information, elle vient du créateur ou de son représentant, donc du tourneur, etc. Je dirais qu'on a des horaires à peu près normaux jusque peut-être début mars, ouais, fin, et encore février avec la conférence de presse. Ouais. Ça dépend des. Voilà, et puis février, le lancement de la billetterie, ouais, peut-être jusqu'au début février où on fait 9h, 18, 9h, 18, 19. Et puis ça monte petit à petit jusqu'au moment du festival où on ne dort plus, ou très très peu. Mais voilà, en ce moment, enfin là, on travaille, on a oublié les jours fériés, les week-ends. On est là tous les jours et jusqu'à tard, quoi. On fait hier avec Guillaume, le directeur, on a fini à minuit. On était là à 8h30 ce matin et ce soir on ne sera pas rentré avant 11h, quoi. Mais on aime ce qu'on fait, donc finalement, voilà, on continue même à 11h, on continue encore de rigoler. Non, mais plaisir. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est ça le truc. Ouais. C'est que malheureusement, enfin c'est. Si on peut s'organiser différemment, etc., mais le niveau de responsabilité auquel arrivent Carole et puis Guillaume Fournier, le directeur technique, bah, justifie le fait qu'effectivement, pour remplir les pour que tout se passe bien, il faut passer du temps, quoi. Et vraiment, je suis sidéré par ça, par le temps qu'il faut pour préparer ce fichu festival, quoi. Parce que ben voilà, c'est ça, c'est, on déplace pas des gens comme ça, on déplace pas, oui, c'est ça se paye d'une façon ou d'une autre, et c'est un travail assez, oui, il faut vraiment donner, quoi. Après, encore une fois, on n'est pas obligé d'en faire autant, c'est simplement parce que certainement la motivation qui justifie notre engagement, mais moi je suis un peu, enfin j'ai aussi tendance à prendre un tout petit peu de recul. Notamment sur les soirées, etc. Mais
Je vois bien la façon dont ils sont obligés de construire leur emploi du temps. Et je vois bien de temps en temps, enfin à longueur de temps, là, dans la journée, on a tous des appels de gens qui font partie de l'équipe à titre bénévole, etc. Mais c'est considérable l'investissement des gens. Hein. Ça rigole pas 5 minutes. Hein. Parce que il y a 11 ou 12 lieux, parce que les gens vont arriver, parce que les gens ils peuvent passer par-dessus les barrières et donc il faut mettre quelqu'un devant et parce que voilà c'est parce que c'est en centre-ville, parce que un jour il va y avoir des problèmes sociaux à la mairie, parce que le lendemain ça va être des travaux dans une rue, parce que voilà et à chaque fois il faut dénouer les situations un peu délicates et ça demande du temps. Voilà. Voilà. C'est aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire qu'on ne peut faire qu'au dernier moment. Donc d'une part, on est limité à la fois financièrement et humainement. On ne peut pas forcément créer 15 postes pour le festival. Et d'autre part, il y a des choses. Là, on vient de passer 2 soirées sur les contrats de travail. On ne peut pas les faire 3 mois avant. Les plannings évoluent, donc on les fait entre maintenant et la semaine prochaine, quoi. Les transports, les expos, le déchargement, le montage, enfin tout un tas de choses qui ne peuvent se faire qu'au dernier moment. Donc on est obligé d'y être à fond. Voilà. Et pendant le festival, eh ben, il faut être là à l'ouverture, il faut être là à la fermeture. Le bar VIP ferme à 5-6 heures du matin. Donc voilà, il faut se répartir l'effort et être un peu partout tout le temps. Voilà. Puis bon, il y a autre chose aussi, c'est que le niveau d'exigence du festival et le niveau d'encadrement du festival et le niveau, par exemple, d'intervention des collectivités. Bon, on parlait de subventions, etc. Mais pour avoir les subventions, en fait, encore faut-il, bon, certes, les demander, mais après, comment dire, bah, montrer qu'on sait faire et qu'on le fait de façon professionnelle, etc. Enfin, moi, je peux témoigner que l'association a eu plusieurs contrôles fiscaux. Plusieurs contrôles sociaux, plusieurs donc contrôles de l'URSSAF, nous avons eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes, avec des gens assermentés qui sont venus vérifier la bonne tenue du festival. Et tout ça, il faut que tout soit bien fait. Enfin, je vous raconte pas de l'ambiance, par exemple, dans les commissions de sécurité. La commission de sécurité qui s'est tenue à la préfecture il y a à peu près un mois, Carole, en fait, il y avait quand même 30 personnes autour de la table. Il y avait des gens en uniforme, des gens en civil, des chefs de cabinet, des directeurs de cabinet, des gens de la mairie, des gens de la préfecture, donc de l'État. Et des gens des secours civils, des secours nationaux, enfin voilà, c'est 30 personnes qui n'étaient pas là pour rigoler du tout, hein, parce que y en a qui se préoccupent d'alcoolémie, il y en a d'autres de sécurité du montage des scènes ou des gradins, et tout ça passe par plein d'emplois, plein de sérieux, plein de. Oui, il faut être sûr de nous, quoi. Les handicapés, bon, bah maintenant, c'est vrai que les personnes au handicap, bon, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls festivals à essayer de faire les choses au mieux. Donc, bon, tout ça se prépare, ça s'étudie, ça s'approuve, ça se contrôle, ça se monte, ça coûte. Ça, là, c'est. Cette semaine, enfin, je vais vous dire quelque chose que vous ne comprendrez certainement pas, parce que moi-même je ne l'ai pas compris, mais lorsque on a dû investir un nouveau lieu cette année, bon, bah, voilà, on s'est dit, voilà, encore faut-il pour que le lieu soit ouvert, encore faut-il, comment dire, qu'il soit accessible aux personnes en handicap, bah voilà, pof, la facture, elle était de l'ordre de, je sais plus, plusieurs milliers d'euros. Enfin, La passerelle? non, la chapelle, le Vraz? La plateforme. Oui, la Oui, on plateforme. en était à 5 000 euros. 5 000 euros, bon voilà, pour monter une plateforme Une PME, quoi. rampe, quoi, une rampe Rampe d'accès. d'accès, bon bah voilà, c'est des choses. Donc là-dessus, bon, bah, forcément, on va mettre l'accent sur la communication pour que la communication gérée par Aurélie fasse en sorte qu'on vende quelques billets supplémentaires pour amortir le tout, hein. Ça rigole pas 5 minutes, quoi. Voilà. C'est un peu le. Mais bon, tout ça, c'est plutôt agréable.
L'envie et mettre toutes les chances de son côté pour y arriver, faire les stages qui vont dans le bon sens, faire la formation qui va dans le bon sens, rencontrer les gens, se créer un réseau, sortir, aller voir des spectacles, se créer une culture générale, une culture artistique. Et pas forcément se laisser enfermer dans un genre, quoi. Moi, quand j'ai démarré, je travaillais pour une compagnie de danse. Du coup, après, on m'a toujours mis un peu à gérer la danse et ça a été un peu dur d'essayer d'en sortir et de se dire non, mais j'ai pas envie de faire que de la danse. Faire des choix concrets, conscients pour aller droit au but. Ouais, je dirais la même chose que Carole, c'est ça. Mais après, il y a toujours une part de chance, de hasard, voilà. Mais c'est vrai que, effectivement, l'envie, la motivation, l'énergie, la curiosité, ça c'est. Après, faut pas se cacher que c'est un secteur où il y a vraiment, vraiment peu d'emplois, quoi. Donc c'est. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de mettre toutes les chances de son côté, c'est que. Vous êtes, il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de formations dans ce milieu-là, il n'y a pas forcément plus d'emplois derrière, donc faut pas être les meilleurs, mais pas loin, quoi. En tout cas, faut savoir se démarquer, d'une manière ou d'une autre.